Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du placement rythmique et on va avoir une approche très visuelle du sujet. Le placement rythmique, ça consiste à jouer soit sur la pulsation, soit un peu avant ou un peu après. C'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à percevoir, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et dans cette vidéo, on va s'entraîner à le percevoir. Et on va faire ça avec un logiciel de montage audio qui va nous permettre de décaler facilement une piste audio par rapport à une autre. Une phrase de guitare par rapport à un accompagnement et à une pulsation. Je vous propose donc cette approche visuelle du placement rythmique avec le logiciel Ableton Live, qui est un logiciel que j'utilise très souvent. On se trouve donc ici en présence de deux pistes, une piste stéréo qui est en fait un playback à 110 bpm, un playback que j'ai fait, et ici une phrase musicale enregistrée à la guitare. Le playback est donc à 110 bpm, il est synchronisé avec la grille de temps à 110 bpm. On va commencer par simplement écouter cette phrase sur le playback. Bon, a priori, aucun problème, la phrase est bien placée temporellement. On peut voir ça en affichant une grille temporelle un petit peu plus précise. Et de cette manière, la grille temporelle est découpée en croches. Donc on voit que chaque temps est coupé en deux. Donc on peut voir que chaque note est bien synchro avec la pulsation suggérée par les coups de batterie, de charlet, sur la piste d'accompagnement. A priori, il y en a peut-être une de note qui n'est pas hyper synchro, c'est celle-ci, la troisième note que je joue. Mais le reste, c'est bien synchro. Et si on écoute attentivement cette phrase, on se rend compte que c'est pas forcément très flagrant. Donc ça, c'était pour la base. On a deux pistes audio qui sont bien synchronisées temporellement et visuellement, ça se voit puisque les coups de chaque note, chaque attaque de chaque note de la mélodie sont bien synchronisés avec les coups de la piste d'accompagnement. Une première chose que je vous propose de faire pour écouter à quoi ressemble un placement rythmique trop devant ou trop derrière, c'est quelque chose qui est très facile à faire avec ce genre de logiciel. Il suffit d'avancer ou de reculer temporellement la piste de guitare. On va commencer par la reculer un petit peu, d'à peu près, allez, un huitième de temps. Voilà, on voit que c'est très laid back, c'est vraiment bien derrière. Donc je la remets sur le temps. Et maintenant je la mets un petit peu en avance, juste un peu. Voilà, on voit que ça presse un petit peu. Je la mets encore plus en avance pour que ce soit plus flagrant. Là, on commence à voir que ça devient vraiment, on va dire, gênant. Si je la mets carrément un demi-temps trop tôt, et ben en fait, elle sera bien synchronisée temporellement, mais ce ne sera pas la même phrase rythmique. Maintenant, on va voir quelque chose d'un petit peu différent, la même phrase enregistrée mais avec un mauvais placement rythmique, un placement rythmique un peu moins bon. Alors on va commencer par l'écouter. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais la fin de la phrase est plutôt bien rythmiquement et le début est un peu trop devant. Je commence la phrase un peu trop tôt et comme je ralentis petit à petit, la fin de la phrase est bien synchronisée temporellement. Alors on peut le voir visuellement ça. La première note que j'attaque, on voit qu'elle tombe trop tôt par rapport à ce coup-là, en fait, qui est un coup de la batterie qui est sur le contretemps. Cette note, pareil, elle tombe trop tôt. Là, ça commence à être pas mal synchronisé avec la pulsation, et la dernière note, on voit qu'elle est bien avec la pulsation.
Donc, dans ce genre de situation, déjà, ce qui est important à relever, c'est que lorsque vous vous enregistrez avec ce genre de logiciel, où c'est visuellement pratique pour vous rendre compte de votre placement rythmique, la première des choses, c'est du coup de réaliser que vous avez commencé la phrase trop tôt. Donc, ça peut être bien de faire des exercices pour vous entraîner à moins presser ou à la commencer au bon moment cette phrase. Ensuite, si vous avez par exemple enregistré une piste de guitare et que vous voulez un petit peu, on va dire, tricher, donc lui faire un bon placement rythmique, sachant qu'il y a quelques notes qui ne sont pas dans le rythme. C'est tout à fait possible. C'est ce que font quotidiennement les professionnels qui travaillent dans les studios et qui veulent corriger les erreurs d'interprétation des musiciens. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais simplement caler chacune des notes sur la pulsation. Voilà, on va écouter ce que ça donne. Voilà, bon, de ce que je viens d'écouter, c'est nickel, il n'y a rien à corriger. Donc ça, entre guillemets, c'est triché. Mais ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est pas tellement forcément le montage audio, même si c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire ça, c'est de bien, avec ce genre d'outils, réaliser quel son ça fait en fonction de visuellement du placement rythmique, un peu devant, un peu derrière. Et maintenant un autre exemple sur un blues à 130 BPM, un blues tel que les jouent les jazzmen. Donc c'est du swing, c'est à 130 BPM avec une grille en ternaire. Entre chaque pulsation, il y a trois croches. On pourrait tout décomposer avec des triolets de croches, c'est ce qu'on appelle du ternaire ou du swing. Et c'est comme ça qu'on phrase cette musique, le jazz. On va commencer par écouter cette première phrase que j'ai enregistrée. Donc a priori rien de particulier, le phrasé est bon au niveau temporel. On remarque qu'on perçoit un petit peu cet effet nonchalant du phrasé jazz qui peut être lié à la fois au phrasé, donc à l'attaque de chaque note, ou au placement rythmique. Ça c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. Ce qu'on peut commencer par faire déjà c'est la placer plus derrière et plus devant cette phrase. Donc plus derrière, de pas beaucoup, ça va donner ça. Première note, elle est bien derrière et puis après ça revient un petit peu doucement. Maintenant, si je la place devant. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'un phrasé un petit peu devant, légèrement devant. C'est quelque chose qui est très courant en jazz auprès des apprentis guitaristes, des personnes qui ont un niveau intermédiaire mais qui maîtrisent pas forcément bien encore leur placement rythmique. C'est des personnes qui ont souvent tendance à jouer un petit peu devant et peut-être que c'est votre cas. Donc là, on remarque que la première note est un petit peu devant et pareil pour toutes les autres notes. C'est un peu moins marqué. Puisque dans ma phrase initiale, la deuxième note était un petit peu derrière. Donc forcément, si je le mets devant, ben ça va un petit peu se recaler en fait hein, sur la pulsation. Mais cette première note est assez flagrante, elle est bien devant. Voilà. On va écouter maintenant d'autres enregistrements de cette même phrase. Là, on remarque que le placement est encore plus derrière, encore plus nonchalant. C'est quelque chose que j'ai fait instrumentalement, hein. Je n'ai pas déplacé le fichier audio, j'ai pas triché. Donc c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire, surtout si vous jouez dans des styles de musique dans lesquels le placement rythmique en arrière est très courant, donc en jazz et dans tout ce qui est musique groove. Et pour finir la même phrase avec encore un autre placement rythmique. Donc dans cette phrase, on remarque que la première note est bien dans la pulsation. D'ailleurs, c'est assez visible. Le milieu de la phrase a tendance à presser un petit peu. Alors, c'est pas très flagrant, c'est pas gênant,
Si on regarde la base temporelle, on remarque que c'est bien dans la pulsation, mais il y a un léger effet d'accélération. Et c'est quelque chose qui, on pourrait dire, c'est un choix stylistique en fait. Il y a des guitaristes qui aiment bien jouer un petit peu devant ou avec une sensation un peu permanente qu'on accélère, même si ce n'est pas le cas. Ça, c'est vraiment un choix stylistique. Il y a aussi beaucoup de musiciens qui aiment bien jouer très laid-back. Moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est un jeu, on pourrait dire, laid-back, assez léger et presque permanent. Donc, comme cette première phrase, ça correspond, on va dire, à mon phrasé, au phrasé jazz américain que j'aime bien. En jazz manouche, je joue un peu différemment, je joue plus sur la pulsation, puisque c'est moins courant de jouer derrière en jazz manouche. Petite conclusion au sujet du placement rythmique et de son apprentissage. Alors, il y a différentes pédagogies, différentes façons d'appréhender le placement rythmique. Celle que je vous propose dans cette vidéo, c'est une pédagogie, une approche qui est très visuelle et on pourrait dire plutôt intellectuelle. C'est de l'ordre de la compréhension visuelle, donc faire le lien entre la base temporelle qu'on voit et ce qu'on entend. Il y a des approches qui sont beaucoup plus basées sur le ressenti, donc la capacité à imiter une sensation qu'on a lorsqu'on écoute un certain placement rythmique. Moi, ce que je pense le plus adapté, c'est de savoir un petit peu tout faire, c'est-à-dire de comprendre un peu ce qui se passe lorsque quelque chose est joué devant ou derrière. Donc là, c'est très visuel hein, sur ce genre de logiciel. Et aussi de savoir quelle sensation ça fait lorsque on entend une phrase qui est jouée devant ou derrière. Ce que j'ai pu remarquer chez mes élèves et chez les personnes que je rencontre qui s'intéressent à ce sujet-là, c'est que ce sont des personnes qui comprennent pas bien ce qui se passe concrètement et qui ont ce besoin de comprendre pour pouvoir, on pourrait dire, avoir un déblocage et plus facilement interpréter un certain placement rythmique. Donc moi, c'est un peu l'approche que je choisis, c'est-à-dire que d'abord, essayer de leur expliquer comment ça fonctionne et ensuite, on pourrait dire que ça les débloque et ça leur permet plus facilement de se concentrer sur leur ressenti pour mémoriser des placements rythmiques et éventuellement arriver à en interpréter des différents. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens de chansons avec des pistes vocales avec certains placements rythmiques, notamment des placements rythmiques qui sont très derrière. C'est quelque chose qui est assez courant en sol. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu, autant pour l'aspect instrumental, musical, que pour l'aspect plus technique, visuel, voire même édition de fichiers audio dans des logiciels comme Ableton Live ou Pro Tools, Cubase. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager.